Bonjour, aujourd'hui on va faire cette petite enveloppe à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc on va faire cette petite enveloppe blanche avec un petit cœur qui peut servir pour mettre un joli cadeau. Pas un centimètre bien sûr, mais un joli cadeau pour la personne à qui elle sera destinée. Donc voilà, vous mettez votre cadeau, vous pouvez la fermer comme ça ou juste la laisser ouverte avec le cadeau à l'intérieur. Les dimensions peuvent varier selon l'épaisseur de votre fil, selon votre choix, ce que vous voulez faire. En tout cas, on va faire ensemble cette petite enveloppe. De quoi on aura besoin? Je vais utiliser un peu de fil blanc, un peu de fil rouge. J'ai utilisé un crochet numéro 5 et on aura besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et d'un centimètre pour mesurer. Voilà, on va se retrouver tout de suite pour commencer. Je commence par faire un nœud. Voilà. Donc, et ensuite, je vais faire 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On en a 20 mailles, je rajoute une pour tourner et je m'introduis. Donc j'ai rajouté une maille ici, j'ai rajouté cette maille là, je viens de la rajouter et je m'introduis dans la deuxième. Je m'introduis, je tire le fil, j'ai deux boucles sur le crochet, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. J'ai fait une maille serrée. Donc je vais aller dans la suivante et faire la même chose. Je vais faire une maille serrée. Je m'introduis, je fais un jeté, je tire le fil, j'ai deux boucles sur le crochet, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Voilà, c'est la maille serrée. Donc je continue sur toutes les mailles, je fais des mailles serrées. Donc finissez ce rang jusqu'à la dernière maille et on se retrouve. Voilà, j'ai fait 19 mailles serrées. Voilà ma dernière maille maintenant. Je vais m'introduire pour faire la dernière maille serrée. Voilà. Donc, vous avez là 20 mailles serrées. Je fais un jeté donc, et une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais aller dans ma première maille faire une maille serrée. Je m'introduis donc dans toutes les mailles. Et je fais des mailles serrées. On va faire des mailles serrées jusqu'à la fin. On fait une maille en l'air, on tourne, on fait un autre rang de mailles serrées et ainsi aller-retour, on va faire des mailles serrées. Je mesure mes 20 mailles, combien elles me donnent. Ça fait, je dois mesurer combien de centimètres j'ai, je dois faire un carré de mailles serrées. Sans trop tirer, donc 13 centimètres. Voilà, j'ai 13 cm. Je dois faire des mailles serrées dans ce sens jusqu'à atteindre 13 cm. Donc pour avoir un carré, vous continuez jusqu'à avoir un carré de mailles serrées. Et on se retrouve. Voilà, j'ai mon carré de mailles serrées. J'ai 13 cm sur tous les côtés. Je vais essayer de le plier. De le plier en 4 pour repérer le milieu. Voilà. Le milieu de mon carré. Donc voilà le milieu de mon carré. Je vais essayer de le repérer. Ensuite, vous prenez votre carré comme ça, comme un losange.
et pliez un côté comme ça et vous rabattez l'autre côté comme ça et l'autre côté comme ça. Et vous avez votre petite enveloppe. Et on va faire les coutures de ces côtés-là. D'accord ? Donc maintenant, c'est une question de couture. Ça y est ? Donc, vous ne gardez pas votre carré comme ça, non ? Vous le tournez comme un losange et vous rabattez un côté vers le milieu, toutes les pointes vers le milieu. Tous ces coins-là, vous les rabattez vers le milieu et vous avez à faire des coutures ici et ici. Maintenant, on va faire le cœur. Bien que j'ai sur la chaîne, j'ai une petite vidéo qui montre comment faire un petit cœur. Je vais vous laisser le lien. Donc, on commence pour faire notre petit cœur. Je commence par faire un nœud, un cercle magique. Donc, je fais comme ça. Je tire et je tourne. Voilà, je vais faire deux mailles chaînettes. Ensuite, je vais tourner le fil deux fois sur le crochet pour faire une double bride. Donc, double bride, c'est comme ça. Donc, je fais un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber deux. Pardon. Et un jeté, je laisse tomber deux. Donc, je vais faire une deuxième double bride. Je tourne le fil deux fois. Je vais faire une troisième double bride. Donc, je fais tourner le fil deux fois sur le crochet. Je m'introduis dans le cercle. Un jeté et je laisse tomber deux boucles. Un jeté, les deux suivantes. Un jeté, les deux dernières. Voilà, j'ai deux mailles chaînettes et trois doubles brides. Ensuite, je vais faire trois brides. Voilà. Je fais un jeté, je m'introduis et un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber deux. Donc là, j'ai fait deux mailles chaînettes, trois doubles brides et là, j'ai fait deux brides. Je vais faire une troisième bride. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une maille chaînette et une double bride. Voilà, ça c'est la moitié de notre cœur, du cœur. Je vais faire une maille chaînette et je vais faire la même chose que j'ai fait ici, je vais refaire de l'autre côté. J'ai après la double bride là, j'ai trois brides, donc je vais faire trois brides. Ensuite, je vais faire deux tours de crochet et je vais faire trois doubles brides. Une deuxième double bride et une troisième double bride. Voilà. Maintenant, on a presque terminé. On va faire deux mailles chaînettes et on va aller nous introduire dans le cercle et faire une maille coulée. Voilà, le cœur est fait. Donc, je vais couper le fil maintenant. Et je serre, je vais serrer le fil du cercle, je le serre pour qu'il se ferme, et voilà notre petit cœur. Il nous reste à faire les coutures et coller notre cœur, le cœur sur l'enveloppe. Voilà, je vais faire les coutures.
Je vais rabattre les côtés et je vais faire les coutures de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est très joli, c'est mignon pour mettre un cadeau pour la Saint-Valentin. Bien sûr, un petit cadeau parce que l'enveloppe est petite. La taille, ça dépend de vous. Vous faites la taille que vous voulez. Si je ne veux pas couper le fil, je peux faire juste comme ça pour aller en haut. Voilà. J'ai fini la couture de ce côté. Il me reste à faire celle de ce côté-là. Et puis cacher ces petits fils-là. C'est ce petit fil là. Ok, donc là, ce côté, je vais m'introduire en haut. Je m'introduis dans chaque maille et celle d'en face. Je vais finir la couture de ma petite enveloppe et cacher ces fils là. Ensuite, je vais cacher d'abord les fils du cœur et le coller sur l'enveloppe comme ça. Hein? Je prends comme ça avec la main et je colle mon petit cœur, le petit cœur sur l'enveloppe. Ça fait joli. Et on se retrouve. Voilà, ma petite enveloppe, elle est terminée. Elle est toute mignonne, toute petite. J'ai utilisé un fer à vapeur pour écraser un peu ici parce qu'il se pliait. Vous savez, les mailles serrées, ça se plie comme ça. Donc, j'ai dû utiliser un fer à repasser vapeur sans toucher les fils. Juste en haut, la vapeur touche les fils. Donc, j'ai cousu le petit cœur et voilà. J'espère que vous allez réussir votre petite enveloppe et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et n'oubliez pas le like. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.